Alors, bonjour à toutes et à tous. Michel pour le direct de Web TV. Je me trouve à l'espace Schweitzer à Caudry. Si vous avez plus de 60 ans, vous connaissez certainement. Pour les moins jeunes, c'est autre chose. Ou alors, si vous avez des enfants qui vont à la cantine, ou si vous regardez le conseil municipal depuis deux diffusions déjà. Je suis avec Audrey Maton. Bonjour Audrey. Bonjour Michel. Alors Audrey, qui est la nouvelle responsable de l'espace depuis la pandémie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je suis aussi conseillère municipale déléguée aux seniors. Ça n'a pas été trop dur de reprendre la main comme ça pendant justement cette pandémie? Si, quand même, il y a eu quelques difficultés, étant donné qu'on a été élu au moment où il y a eu la première épidémie de Covid. Donc les activités, c'est vrai qu'elles se sont arrêtées. Une grosse année, hein. Donc voilà. Donc là, on va essayer de reprendre tout doucement les activités avec la semaine bleue, justement. Alors avant peut-être de parler de la semaine bleue, moi qui viens de temps en temps ici voir les seniors, bon, il y avait des jeux de cartes, il y avait des gens qui mangeaient, qui goûtaient. En ce moment, c'est une cantine. Alors ouais. Ça a dû être un peu délocalisé. Alors effectivement, on a été obligé d'utiliser les deux salles du foyer pour la cantine scolaire. Donc à partir de lundi, les seniors pourront se réunir à la salle multi-activité rue de la Paix, à côté de l'épicerie solidaire, hein, le lundi, mardi, mercredi et jeudi l'après-midi. Pour reprendre les jeux de cartes, voilà, les jeux de société. C'est ça. Alors, on est là pour la semaine bleue qui va se dérouler. Alors, la semaine bleue va se dérouler du lundi 4 au dimanche 10 octobre. Justement, pareil, vous avez délocalisé plein d'actions, parce qu'il y avait beaucoup de choses ici à l'espace, et puis là, cette année, ça part un peu partout, dans tous les supports. Alors, le lundi 4, les bénévoles iront à la maison de retraite Léonce Bajard, et puis il y aura Edith et Félix qui viendront chanter. Donc ça, c'était déjà fait depuis plusieurs années. Et puis à 15h30, au foyer Paul Levaillé, il y aura une animation également musicale avec Pascal Prouveur. Alors, toutes ces animations, je le précise, sont financées par la municipalité, par la mairie. Alors, les gens viennent, c'est gratuit. Et il faut être inscrit. Alors, il y a des choses payables. Les maisons de retraite, c'est les résidents des maisons de retraite. Hein, voilà. Le mardi, c'est au Clos du Château. Donc, c'est pareil, c'est pour les personnes du Clos du Château. Et également la résidence La Dentelière, ce sera Edith et Félix également. Donc, ça, ces animations-là sont uniquement destinées aux personnes qui sont dans les résidences. Hein, très bien. D'accord. Donc le mercredi, il y a un concours de belote qui est organisé par Monsieur Doisy. Je vais lui laisser la parole. Oui, voilà. Mercredi après-midi, à partir de 13h30, au maximum 20 équipes. Il faut 50 personnes, pas plus. Et le poste sanitaire obligatoire, autrement, on ne peut pas le faire. Donc là, c'est ouvert à l'espace. Et là, c'est à l'espace. Tout le monde. Dans la grande salle. C'est le mercredi, il n'y a pas de cantine, on peut le faire là. C'est les Caudrésiens ou il faut avoir un âge précis? On prend 20 équipes, et puis, mais en principe, ce sera plus les Caudrésiens que les étrangers. Ils ne vont pas venir, s'ils n'ont pas le poste, ils ne viendront pas. Très bien, on continue. Voilà. Ensuite, il y a la sortie au cinéma, le jeudi 7 octobre, à partir de 13h30. Donc c'est chacun chez soi avec Michel Larocque et Olivier Rosenberg. Voilà, donc l'entrée est à 1 euro. Hein, voilà. L'inscription maintenant. Hein, et donc vous pouvez, pareil, vous pouvez vous inscrire, vous téléphoner à l'espace au 03 27 85 28 93 le matin entre 8h et midi. Bon, 1 euro, ça ne va pas plomber le budget. Voilà, c'est ça. On continue avec la semaine bleue. Le vendredi, il y a une activité qui est organisée cette fois par les seniors actifs. Donc je vais laisser la parole à Morissette Opic. Ils sont vraiment actifs, les seniors? Oui, les jeunes seniors sont très actifs, et puis même des gens plus âgés. Bon, actifs, pour moi, ça ne veut pas dire que faire du sport, ça veut dire être près des autres. Bon, en fin de compte, après des mois de confinement, j'ai souhaité relancer cette activité dehors, parce que c'est important. Alors, je fais venir Arja Jacqueline-Meyer, qui est la pro de la marche nordique, qui est initiée. Et le jeudi, en fin de compte, moi, le jeudi, je forme mes coachs bénévoles et salariés.
et vendredi, j'ouvre la marche nordique à des personnes qui souhaitent la découvrir ou la redécouvrir ou améliorer leurs compétences. Alors il y a une session de 9h à 10h30, il y a un groupe de 9h à 10h30 et le deuxième groupe c'est 10h30 à midi. Ah, toujours pour les seniors ? Les seniors ou celui qui veut à 80 ans, la marche nordique peut aller du très sportif. Nous avons des gens qui font du 6-7 à l'heure ou de la réadaptation. C'est-à-dire, bon, au tout départ, j'avais commencé par de la réadaptation. Oui, c'est ce que je voulais dire. On a 7 niveaux de marche. À un certain âge, on peut être un peu plus faible. Quand on fait de la réadaptation, les bénévoles font pour les très actifs. Mais quand c'est de la réadaptation, j'ai Déborah Cromé qui encadre le groupe et Janie Laurent pour les gens en grosse problématique. Voilà. Très bien, merci. 3 km et un petit peu de gym en même temps. C'est ce qu'il me faudrait de la marche. Voilà, c'est ça, Michel. Venez chez nous. On t'invite à venir découvrir vendredi. Hein, voilà. Et l'après-midi, donc à la Croix-Rouge, à l'accueil de jour, c'est pareil, il y aura une animation musicale assurée par Pascal Prouveur. Hein, voilà. Très bien. Ensuite, le samedi, il y aura donc l'Assemblée Générale de l'ACR, dont la présidente est Madame Pluchard. Donc je vais lui laisser également la parole. Claudine. Pour l'Assemblée Générale de l'ACR, nous allons changer un petit peu cette année. Vous savez que d'habitude, il y a de la musique, tout ça. Cette année, ça sera un petit peu plus sérieux, tout en étant décontracté, et puis avec retrouver tout le monde autour d'un pot de l'amitié à la fin. Nous aurons une participation exceptionnelle des cadets de la gendarmerie sous la responsabilité de M. Bertrand Ottermann, qui viendra parler à tous nos seniors, à toutes les personnes présentes, des risques de l'Internet, liés à l'Internet, les fausses convocations, les fausses demandes. Donc, ce sera développé. Après, bien sûr, il y aura l'Assemblée générale qui se déroulera comme d'habitude, avec le rapport financier et également une tombola que nous allons faire gratuite pour pouvoir récompenser tous nos seniors qui sont restés bien seuls pendant des mois. C'est vrai. Heureusement qu'ils ont un petit peu Internet, il y en a beaucoup qui sont connectés parce que sinon c'était blackout. Exactement. Donc là, on va leur faire un petit peu de sérieux sur Internet. Ça ne durera pas trop longtemps. Et après, ben, on aura nos petits discours, l'intervention de M. le maire, l'intervention d'Audrey. Et puis après, une tombola gratuite, c'est toujours plaisir pour tout le monde. Il va y avoir du monde. On continue pour la fin de la semaine bleue. Et enfin, le dimanche, il y a une marche bleue qui est organisée par M. Doisy. Pareil, ouvert à tous. Il est préférable de réserver également ou de se faire connaître. Il s'inscrit même le dimanche matin. Quand il arrive, il s'inscrit, tout le monde s'inscrit le dimanche matin en arrivant à 9h maquet, mettons, pour venir faire 9h, 9h15 ou plus tard. Très bien. Alors j'avais vu sur le programme, d'ailleurs, c'est écrit. On va vous faire depuis une boisson. Que le problème pouvait changer. Alors oui, il pouvait changer en cas d'épidémie. Bon là, je pense qu'on a l'air d'être sur la bonne voie. Hein. Donc je pense qu'on va pouvoir reprendre petit à petit les activités. Alors c'est vrai qu'on est toujours tributaire malheureusement de l'épidémie de Covid. Bon, à ce jour, ça a l'air d'aller. On va passer dans le vert. Voilà, on verra. Alors, je profite, Michel, du coup, pour présenter Gaëtan. Voilà, donc, Gaëtan, tu peux te... Oui, je peux me présenter. Bon, donc, moi, c'est Gaëtan Fontaine. Je suis l'agent administratif de l'espace Schweizer, qui a pris ses fonctions il y a peu de temps, le 1er juin. Voilà. Que je remplace Solange Dolcher. Ouais. Vous n'êtes pas retraité? Non, pas du tout. J'en suis encore loin. Gaëtan, au niveau de ses horaires, Gaëtan est présent à l'espace le matin de 8h à midi. Et à partir du 1er octobre, il sera également présent l'après-midi de 14h à 16h. Très bien, c'est lui qu'on peut pour s'inscrire. Voilà. Alors, il va peut-être en parler également pour les bons seniors. Donc, effectivement, pour les bons de Noël, comme vous le savez, vous avez tenté de me joindre beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas tous vous avoir au téléphone parce que vous êtes nombreux, effectivement. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de m'avoir au téléphone, sachez que nous allons bientôt vous contacter pour valider vos adresses.
Donc il ne faut pas s'en faire. Voilà. Ça va aller, vous avez jusqu'à fin octobre. Fin octobre pour s'inscrire, voilà. Par contre, ceux qui ne sont pas inscrits, oui. Il y aura comme chaque année une semaine d'inscription qui aura lieu. C'est du 25. Alors la semaine d'inscription pour les nouvelles personnes, c'est du 25 au 29 octobre, de 13h30 à 16h. Hein, donc à l'espace Schweizer, effectivement. Très bien. Alors là, on a parlé des bons de Noël. Et si des gens nous regardent, qui sont jeunes retraités, qui veulent s'inscrire chez vous, à partir de quel âge ? 65 ans. 65 ans. Pour venir à l'espace. Pour les bons de Noël, hein. Et pour l'espace Schweizer ? Bon, c'est à partir de 60 ans. Il n'y a pas de cotisation. Je rappelle que les bons de Noël ont été augmentés cette année, hein, on va quand même le préciser. Hein. Donc ils sont passés à 38 euros. Donc on remercie également Monsieur le maire. D'avoir augmenté valable... ma commission. Hein. Voilà. Et valable uniquement dans les commerces caudrésiens, les petits commerces. Hein. Ouais, valable dans les commerces de centre-ville. Très bien, on évite les grandes surfaces. Voilà. Quelque chose, oui, moi, allez-y. Senior active, je prends des gens plus jeunes qui ont des problématiques de santé. Hein, c'est-à-dire, j'ai des gens qui ont des débuts de sclérose en plaques, Parkinson, vraiment pour leur faire faire du sport. Très bien, je vous remercie. Peut-être le mot de la fin, la responsable. Bah non, on espère juste vous retrouver comme auparavant au foyer, nombreux. Voilà, quand les activités vont reprendre, hein, voilà. Alors, je tiens à signaler. De prendre soin de vous, voilà. Nous, on a retiré le masque parce qu'on est vacciné. Ouais, bien sûr, si vous. Alors, est-ce que s'ils viennent ici à l'espace, il faut être le pass sanitaire. Il faut le pass sanitaire. Ouais, ouais, ouais. Et à un certain âge, je pense qu'il est important de se vacciner quand même. Chacun fait comme il veut, hein, voilà. Très bien. Merci à vous, puis bonne semaine bleue. Merci Michel. Alors si vous avez des amis, ça arrive qu'ils n'ont pas encore Facebook parce que vous n'êtes pas connecté, ça sera retransmis tout à l'heure sur le www.ledirect.webtv.fr et également si vous êtes connecté sur la haute définition sur une TV connectée sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée. Tout à l'heure, on va parler bière.